Eh oui, coucou les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Mister Glass, une chaîne exclusivement Lego, 100% du jeu comme d'habitude. Et bien entendu, j'espère que vous êtes bien installés. Enfin d'ailleurs, on est parti pour un nouveau niveau 100%. Et on va aller le faire tout de suite avec Monsieur. Ben ça doit être le level 17, hein, je crois. Et ben ça va être celui-là, la folie de Love Good. Et tout simplement, car d'ailleurs nous avons, on va le faire en mode joli. Et puis je vais prendre Xenophilus en mariage. pas mal de personnages. Alors je vais vous expliquer aussi que derrière ce petit temps de chargement, je vais en profiter un petit peu, hein, le nombre de briques dorées et le nombre de d'emblèmes Poudlard ne seront pas exacts, car c'est un deuxième gameplay au cas où, parce que j'ai moins des GTP verts qui commence un petit peu à s'accourir. Bon, bah sur ce, bah, les amis, on se rend compte que derrière Harry Potter est recherché par par les mange-morts, et on va aller devoir faire... Ah bah non, on n'y va pas tout de suite. On va d'abord se présenter à la porte. Voilà, on se présente. Toujours. Faut toujours toquer à la porte, hein, si vous rentrez chez quelqu'un. Comme ça, à mon avis, vous prenez un fusil à pompe direct dans la tête. Mais ça, c'est... Donc là, on se rend compte que c'est la maison qui est vachement vide, mais à l'extérieur, c'était vachement bisounours. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, des carottes. J'adore les carottes. Je vous dirais que ceux qui me connaissent particulièrement ne me croiront pas, parce que j'ai horreur des carottes. Mais pourtant j'ai des yeux bleus et bon. Bon, ça doit être l'avant-dernière normalement, hein. C'est bon? Non, c'est toujours pas bon. Bon bah c'est tout, hein. Eh bah voilà, ça nous fera notre premier emblème Poudlard. Ah tiens, j'ai quelque chose. Alors, j'ai de la flotte. Tiens, c'est bizarre, on va aller voir après la flotte de ce que ça nous dit. Un petit toile. Alors, ça c'est d'accord, ok. Ah, sur 5. On va mettre de la flotte maintenant, s'il te plaît. On va voir un peu ce que ça me propose. On va la remplir, hein. Et d'ailleurs, on va faire la recherche de tous les corbeaux. Voilà, alors, on prend un sort très puissant, au moins comme ça. Hop. Ça sera fait. Ouais. Oh, il y a beaucoup de pièces quand même. Ah, tiens, j'en ai encore un ici. Voilà. Ça c'est bon. Et ben il est juste. Oula. Ouh, pas de problème. C'est juste fort. Eh ben ça fera notre deuxième emblème. Alors maintenant, comme je vois qu'il y a beaucoup d'herbes. D'herbe, voilà. Hop. Tu veux pas? Voilà. Alors le premier, on va faire le deuxième. Et on va aller faire le troisième ici. Ah bah tiens, il nous faut Weasley. Weasley. Ouais mais j'en ai déjà un. De Weasley, non, ça va peut-être pas faire. Alors on va le prendre déjà lui. On va l'ouvrir. Oh bah ça va, ce truc c'est pour monter. Allez c'est parti. On va changer, on va rester avec lui. Qui pourrait nous choisir? Bah toi Hermione. Il me faut Pantaron. Pantaron. Alors on va d'abord creuser tout ça. Bah oui, on a enlevé oh, ça c'est un truc de magie noire. Alors on va aller voir si j'ai pas un autre personnage, hein, mais à mon avis j'en ai qu'un. Et j'ai un truc pour j'ai pas beaucoup de pièces, hein, quand même. Hop. Voilà, alors Hermione, allez vas-y, montre-moi un peu ce qu'il y avait sur cette plaque. Alors, et une glace. Ah oui, d'accord, ok. Donc, toi tu sais pas le faire. Non, tu sais pas faire. Toi non, toi encore moins. Toi non plus, toi non plus. Un fantôme, je sais pas pourquoi, mais bon. Ah bah lui il sait le faire au moins. Ah bah voilà, ça c'est cool. D'accord. J'ai encore besoin. Ah d'accord, ok, j'ai besoin. Mais j'aurais pu. Eh, y a quoi là? Ah attendez. Non. Et on va rester un peu avec lui là. Ah voilà. Eh bah ça nous fera notre. Et tu joues en danger. Allez, arrête de rigoler. Donne-moi tes pièces. Donne-moi tes pièces. Eh, hey, mes pièces, ils sont où? Oh, voleur! Il m'a volé mes pièces! Bon, c'est pas grave. Alors, attends, alors je vais essayer de voir si je peux prendre ça. Non! Mais, vole, je t'ai dit! Voilà. Est-ce que je peux voler? Non, on peut pas voler. On peut pas voler. Bon, bah, ok. Malheureusement, on ne peut pas voler, donc bah, on est obligé de faire ça avec le petit machin là.
Attends, voilà, voilà, ce sera mieux, hein. Non, ça marche pas. Pourquoi tu veux pas? Ah, d'accord, ok. Il faut viser d'abord et il faut tout casser. Ok. Ah, bon, maintenant c'est pour Ron. Allez, vas-y, Ron. Fais-toi plaisir. Ah, ça c'est la magie noire par contre. Alors, hop, voilà. On va aller déverrouiller chaque anneau. Et on va les prendre. Alors, normalement c'est Serpentard avec des lunettes. voilà, c'est ce que je pensais. J'attendais des claquements et. Ouais. Chouette, à la fin. Je vais prendre les pièces violettes en même temps. Bon, ça va. J'arrive plutôt en. Xenophilus, Luna. Oh, je sais pas tout ça. Et. Alors. J'avais vu quelque chose. Hop. Est-ce qu'on peut monter dessus? Est-ce que tu peux le faire par hasard? Non, pas peur à faire. Ok. Alors, on va déjà démonter ce ballon. Voilà, c'est fait. Et on va aller prendre ce. Le deuxième là. C'est fait aussi. On va comme ça, moi. Hop. Il ne nous reste plus qu'à assembler ces pièces. Je ne vois plus de. Non, je vois plus rien. Donc, c'est bon, on va pouvoir continuer. Hein. Au pire, si j'ai oublié, je couperai la vidéo. Je vous montrerai directement un raccourci. Toc, toc. Toujours rentré, je vous l'ai toujours dit. Hein. On toque d'abord et on rentre après. Sinon. Et voilà. Alors, on a aussi tout simplement Harry Potter qui est ici. Ah, la vaisselle est pas beaucoup faite quand même, hein. Eh, on n'est pas venu pour danser, mec. On est juste là pour savoir ce que ça veut dire, ce symbole. Ouais. Ah, elle va nous faire un cours d'histoire, maintenant. Ah, même pas. Il se barre. Ouais, coucou. Oh, salut, Hugo. Il s'est barré. Ah, attends, j'ai vu quelque chose. Ça, c'est cool. Hop. Non, mais non. Prends ça d'abord. Hop. Et. D'accord. Oh bon. Ça va, tranquille. Le squelette, ça s'est fait aussi. Tu peux me lâcher? Ouais. Nickel. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Là, j'ai quelque chose. Non, ça va pas. Il me faut quelqu'un qui répare. Réparation. Toi, tu répares pas, toi, tu répares pas. Je regarde de ce côté-là parce que. Ah, bah voilà, quelqu'un qui répare. Voilà, il va réparer la machine à cafetière. Bah, si, c'est une cafetière. Non, c'est pas une cafetière. C'est quoi ça? D'accord, ok. Non, mais. Voilà, hop. Bim. D'accord, ok, donc j'ai des tâches à enlever. 3. Ah, bah, c'est bon, ils sont tous les deux là. 4, et on va mettre le cinquième ici. Et bah, ça nous fait notre deuxième emblème. Hein. Ça, c'est cool. On va changer un petit peu. Ouais, normalement, tu pourrais le faire, non? Non, tu peux pas le faire? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Faut que je choisisse la pomme, hein. Ouais, faut peut-être viser. Ça s'est passé. Ah bah voilà, fallait tout simplement casser, hein. Il y a un petit moment d'égarement. Bon, j'ai toujours une flèche bleue qui m'indique que derrière c'est mort. J'aurais peut-être oublié quelque chose, ça m'étonnerait pas. Alors toi, hop. Et on va prendre le pouvoir rouge. Voilà. Ah vas-y, hop, c'est bon. C'est bon. Allez hop, on va faire la petite poignée comme un pays. Et on va pouvoir tirer. Oh. Et bon, on a presque fait le 100% des pièces, les amis. Hein. Oh, c'est beau tout ça quand même. Allez, on va aller voir un peu pour la suite. Voilà. Oula. Qu'est-ce qu'il va nous mijoter comme problème, lui? Café? D'accord. Ok. Oh. Regardez, mes amis, derrière Hermione. Il y a une loupiote pour Ron. Faut que j'y pense. Il faut que j'y pense. C'est peut-être pour ça que ça avait la pièce bleue.
Puis il voit un cul sec, gaillard. C'est une porte que je voudrais pas remonter quand même, hein. À vélo. Alors, maintenant, il va peut-être nous expliquer ce que ça veut dire, ces symboles là. Ouh. Ouais, ok. Alors, il va nous... Ah, d'accord, ok. Bon, bah, ce passage-là, je crois que je vais le faire en avance rapide, hein, mes amis. Car derrière, bah, ça ira plus vite. Comme ça, et puis on va gagner du temps sur la vidéo, je pense que ce serait bien, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose. Et le corbeau qui se barre. Et la plume d'oie qui va commencer le scénario par rapport à la femme. Mais de mes souvenirs sont bons, normalement on n'a pas de... Ouais, c'est ça, on n'a pas de... Bon, alors hop. Alors c'est parti. On trace la route. Youpi. Hop, non. Tu veux ou pas? Oh. Bah voilà les amis, après cette petite vitesse accélérée de ce petit parcours qui n'avait rien à voir, hein. Donc on s'aperçoit que la mort, on l'a évité, mais que les trois autres, ils ont quand même peur. Et il en prend deux sur trois malheureusement, pas le troisième parce que lui était invisible. Et c'est quand il donne sa cape à son fils, ou à son héritier direct, hein, il vit d'un seul coup et il accepte la mort. Et la mort l'accepte comme un véritable ami de respect. Et ça c'est fait au moins. Je savais qu'il n'y avait pas grand chose à avoir sur ce petit passage, hein, derrière. Comment expliquer? J'avais fait une petite intro vite fait pour voir un peu. Donc là on retourne un peu dans la vérité, dans la réalité même. Sauf lui, peut-être que derrière il attend une seule chose. On verra après par la suite de ce que ça propose. Hein. Ouais, qu'est-ce qu'il veut? Coucou. Et elle est où, Luna, au fait? Luna, où es-tu? Mais on se rend compte que derrière, si on s'en rappelle, c'est que c'était les mange-morts qu'ils avaient kidnappé Luna. Et en train de dire, en train de baratiner comme quoi que bah, Luna est en haut. Mais toujours pas de présence quand même, un bruit, une présence de Luna. Et pendant ce petit parcours, tiens, c'est vrai que j'ai oublié. Bah on a fait le 100% des pièces, donc vous avez peut-être pas vu, hein, mais c'est rapide. Hop, alors je vais le prendre quand même, on ne sait jamais. Alors maintenant, est-ce que je peux avoir quelqu'un de très fort? Hein? Pas très fort? Tu sais, bah toi normalement t'es fort. Ah voilà, c'est cool. Je m'en rappelle plus comment on fait, hein. Sérieux? Vas-y, il me faut pas tant. Allez, ah quoi que non, attendez. Ah quoi que, si, je peux pas prendre Ron, alors... Ah oui, si je prends Ron, il y aura deux Ron, hein, ça va pas le faire. Hop, voilà, ça c'est fait. Ah bah là, la poignée. Direct dans le tunnel. Ah bah, ça c'est cool. Ron, allez, vas-y. Mais moi, on a même pas eu besoin du plumeau pour l'araignée, hein. Alors, on va voir un peu ce que ça me propose ici. Ah, je savais bien que... Hop, on va la mettre. Et qu'est-ce que ça va nous donner? Ah bah voilà, ça c'est cool.
Eh ben, on a nos quatre emblèmes, mes amis. Hein. Non, mais si tu mets du chapeau, ça va pas le faire. Voilà, ça c'est fait. Hop. Ah oui, c'est la poupée. Eh ben, c'est bon, on va pouvoir prendre la manivelle maintenant. J'ai plus de trucs, c'est bon. Oh, ouais. Hey. En n'ayant pas de multiplicateur, on arrive directement à faire le 100% quand même. Hein. Oh. Et les 4 emblèmes, et puis les personnages. Et nous avons tout simplement bah, Lovegood qui. Il est complètement décaroché. Hein. Et là, il est en train d'expliquer au mange-mort comme quoi que Luna t'a défendu. Et comme il croyait pas, bah, ils l'ont kidnappé. Et s'il obéissait pas à ses ordres, et bah, elle passait l'arme à gauche. Et on va dire, eh ben, trop tard, ils arrivent maintenant. Et ils ont fait un porte-loi pour directement s'enfuir en laissant lui directement dans sa MRDE. Et bien, mes amis, c'est déjà la fin de ce 100% gameplay. Hein. Donc, on nous avons les 4 emblèmes de Poudlard. Et nous allons découvrir Xenophilius Luna. Déguisé en Luna, pardon. Nous avons le squelette et nous avons débloqué Ron, je crois. Ah non, c'était Luna en mode ton violet. C'était cool quand même. Hein. Et le véritable sorcier 100%. On va faire, je vous ai démontré. On pouvait le faire sans multiplicateur. Hein. Juste les mains pièces. Le nombre de pièces, vous vous en coupez pas parce que bah, hey, je vais oublier. Mais tu es en danger. Et le nombre de bruits que je disais, ne vous inquiétez pas parce que bah, c'est un autre gameplay en superposition par rapport à mon HDPVR qui que je vais devoir peut-être changer incessamment sous peu. Et bien mes amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu avec le petit commentaire, ça me ferait plaisir énormément. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner, d'activer la petite cloche qui va avec. Et puis c'est tout mes amis, je vous laisse au prochain gameplay. Allez, ciao, bye.